Pacific Rim, thank you. So the first stick was sent from New York to Chile, and it passed through the rift, and it arrived safely to the impoverished people. Wow, Dizzy here from Ata. Nice, goes for it. Is it going to go to EX uppercut? Yeah. Oh, what? Are you serious? I miscalculated that last chip damage, but he can afford to take it in a way. He's going to do teleported. No, doesn't. One last hit is going to do it, but Bonchan has... Oh my goodness, if anyone can do it, it's Bonchan. Oh, what is it? There's going to be a lot of heat. Yeah, oh my god! Are you joking me? It's too ridiculous. Kaosu, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Street Fighter après cette magnifique remontée de Bonchan sur Sagat, sur Aita, comme vous avez pu le voir sur la vidéo qu'il y a eu juste avant. Et on va voir si je peux vous procurer des combats de qualité sur le online. Bon, normalement on est mercredi, donc il devrait y avoir pas mal de gens qui jouent. J'espère que ça ne va pas bugger comme hier, parce que hier il y avait énormément de bugs sur le online de Street Fighter, enfin sur le PSN tout court, je pense, je ne sais pas trop pourquoi. Donc j'espère que aujourd'hui ça va aller, impossible de rejoindre la session. Ça a pas l'air d'être moins signe ça. Plus bon, je pensais qu'il y aurait plein de gens. Attendez. Connexion à la session, connexion à la session. Ah, normalement ça devrait aller. Connexion A, connexion rouge, connexion plus que rouge. Là, il avait même 0 bar. Hein. J'aurais joué avec lui, on aurait vu les frames du jeu une par une. Alors, A116. Est-ce qu'il est disponible pour un combat? Apparemment, ouais. Apparemment, c'est bon. Ah, enfin. J'espère qu'il y aura rien qui va laguer. D'ailleurs, s'ils pouvaient mettre la training room, ce serait magnifique. Mais les joueurs en ligne ne font jamais ça, ils font toujours aléatoire, enfin. Alors, Nibuki. Costume. Tiens, un combat contre Sagat. Ça fait longtemps que j'ai pas joué contre Sagat. Il a mis aléatoire, ouais, c'est comme je disais, quoi. Normalement, Sagat, Ibuki. Il n'y a pas vraiment d'embrouille, donc j'espère que je vais bien en sortir pendant ce match-là. On va voir. Ouh, en plus, c'est un Sagat classé, hein. Un bon Sagat. On va voir tout ça. Donc, bon, c'est normal, il commence son match par Tiger Shot. De toute façon, je sais pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre comme ouverture contre Ibuki. Bon, il est passé derrière, hein. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas vu, et lui il me remet une chop pour me repousser à l'autre bout du terrain. Ça va être... En fait, ça va être ça tout le problème de comment je vais jouer contre lui. Ouh, focus dans kunai. Focus dans kunai, c'est très très bon ça. Enfin, de toute façon, généralement, quand Ibuki saute et fait un kunai, vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez la garde, si vous avez mis la garde, généralement, quand elle retombe, elle peut pas vous taper. Et vous avez la plupart du temps l'avantage. Donc vous allez arriver à choper avant qu'elle puisse vous toucher. Ou alors vous faites focus, et si vous faites focus, vous pouvez complètement faire combo derrière quoi. C'est ça tout le problème en fait de faire Sokunai avec Ibuki. C'est vraiment, il faut tomber sur quelqu'un qui aura du mal à... Enfin, qui est pas fiable sur ses anti-air pour réussir à faire ça. Ou même vous faites tout simplement dragon et ça casse le kunai et ça tape Ibuki quoi. Aussi simple que ça. C'est pas... Le Sokunai c'est pas forcément l'arme la plus utile du personnage. Et mais pourtant c'est ce que j'essaye de faire. Hein. Je sais pas pourquoi je continue à faire Sokunai. Pourtant il m'a déjà bien montré que c'est pas ça qui va l'embêter. Et du coup je me retrouve en difficulté contre ce Sagat. Parce qu'il fait très peu de mouvements inutiles. En fait d'habitude les Sagats contre lesquels je joue en ligne font beaucoup de Tiger Shot. Et comme ils font beaucoup de Tiger Shot, j'essaie de passer dedans comme vous venez de voir avec le Neckbreaker EX. Et pourquoi je me prends ça moi? Pourquoi je me prends ça en fait? Je sais pas. Il a fait focus, j'ai cru qu'il allait relâcher level 2 comme on a tout le temps l'habitude de relâcher entre nous. Et il a chargé jusqu'à level 3 et voilà. Voilà, ça c'est mes mauvais réflexes de focus. Hein. Le mec il fait focus, moi je fais saut arrière. Je fais saut arrière pour éviter la focus level 3. Alors forcément, s'il fait dragon, bah ça rattrape. Ça rattrape tout simplement mon saut et il vient de me le montrer. Faudrait que j'arrive à annuler ça, annuler ce réflexe. Je sais pas d'où il vient en fait, mais c'est un très mauvais réflexe. Il faudrait que j'arrive à l'annuler rapidement avant qu'il ne soit trop tard et que je me prenne tous les coups comme ça par tous les persos à dragon. Pfff, ce Sagat il vient de m'apprendre un peu à jouer à Street Fighter. Hein. Je dis ça, je dis rien. Putain, alors ce Sagat là, bordel, il m'a mis une vraie raclée. Hein.
Je sais pas si je vais réussir à le retrouver en ligne pour prendre ma revanche, mais... Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il faisait focus, je pensais qu'il allait essayer de taper derrière, donc je faisais pas de déchop. Et à chaque fois, il a fait une chop et il m'a poussé jusqu'à la fin du terrain. Donc je sais pas s'il va avoir moyen de rejouer contre lui et de... Attendez, il s'appelait As... Il s'appelait As116... Ah, il va quand même recréer une session, bordel. As116... J'avais jamais joué contre un Sagat en fait qui jouait pas énormément le jeu de boules, donc le Tiger Shot. Et du coup, maintenant que ça m'est arrivé, je savais pas trop sur le coup comment jouer contre ça en fait. Il allait à chaque fois que je sautais en fait, il allait en air to air et à chaque fois que. Ouais, bon, apparemment, je vais devoir jouer contre quelqu'un d'autre. Hein. À chaque fois que je sautais, il allait en air to air et bon, air to air Ibuki, c'est pas non plus le meilleur perso du monde. Et il faisait pas beaucoup de Tiger Shot pour avoir la possibilité de taper dès que je m'approchais de lui quoi, donc c'était compliqué. Jusqu'à j'ai même pris une focus level 3 gratuitement. On va essayer de voir ce que je peux faire pour ce deuxième combat. Essayer de le retrouver si possible après, ce serait intéressant. Tiens, Ken. Ça m'étonne pas de tomber sur du Ken online, c'est souvent ce qui arrive de toute façon, donc on commence à être habitué. Tiens, il a pris une map volontairement lui. Alors est-ce que c'est un Ken classé ou si c'est ou est-ce que c'est un Ken enfin même les Ken classés de toute façon. Un Ken normal. Avec beaucoup de BP par contre. Donc j'espère qu'il sait jouer son perso. Alors quel gambit d'ouverture il va nous faire lui. Ah ok, gambit d'ouverture saut. Je pense que tu vas vite apprendre qu'il faut pas sauter contre Ibuki. Tu vas pas tarder à apprendre que c'est pas la bonne solution. Parce que Ibuki a de très très bons anti-airs pour ne pas dire voilà, pour ne pas dire des anti-airs intestables. Allez, tu vas prendre Neckbreaker et le prochain il va être derrière, voilà. Putain, pourquoi je rate ça moi? Je suis pas venu en ligne pour rater mes combos parce que sinon ça va pas aller je pense. Et là vous pouvez encore remarquer que mon réflexe de focus comme je disais est très mauvais. Je le vois faire focus et je fais sur arrière kunai. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce réflexe. Waouh, dragon hein. Dragon vient pas m'embrouiller. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce réflexe mais... Faudrait que j'arrive à changer ça très vite. Normalement quand je vois une focus je dois faire directement. Allez toi tu vas reprendre Neckbreaker et le prochain il va être devant. C'est gardé, ok. Tu vas reprendre un setup encore devant, voilà. Et là c'est pas gardé et le combo n'est pas raté derrière. Donc ça fait 1-0 pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce mauvais réflexe mais faudrait que j'arrive à le changer. Parce que sinon en fait normalement quand je vois un mec faire focus et qu'il n'est pas trop loin de moi, je devrais faire Neckbreaker directement. Parce que je sais que pour annuler sa focus, il est obligé de faire un dash arrière, bah du coup, dash arrière ou dash avant, là, je vais toucher quoi. Voilà, toi tu vas prendre super, hein. je sais pas ta focus elle était pourquoi, je sais pas quel coup d'Ibuki t'as voulu carotter, mais tu vas prendre super. Parce que, de toute façon, Ibuki, je sais même pas si elle a un coup qui casse pas la focus. Je crois que tous les coups spéciaux d'Ibuki cassent la focus, le Tsumuji est 3, avoir 2 hits. Le Kazigiri est 3 hits, voilà, toi tu reprends Neckbreaker, et le prochain il va être devant, voilà. Tu reprends encore ça, le kunai va être devant et tu... Waouh, il a gardé mais il a pas gardé et après j'ai pas pu comboter. Je pense que je l'avais raté à quelques secondes. Merci d'avoir piffé en plein milieu. Ce qui ne va pas t'arranger, voilà. Il a perdu son sang-froid tout seul, hein. Tout seul. Au tout début, il avait commencé à bien gérer, il avait ramené la vie. Mais il a perdu son sang-froid tout seul à cause des kunai qu'il n'arrivait pas à garder en fait. Ça va très vite avec Ibuki, vous pouvez vite devenir fou. Allez, un point pour moi. Bon, lui, c'était pas spécialement un mauvais Ken. Je pense qu'il savait juste pas trop comment jouer contre Ibuki, en fait. Et c'est ça, c'est le problème qu'il a eu pendant le match qu'on a fait. Il a quasiment gardé aucun... Enfin, jamais il a su garder le kunai après la chop, là. Alors qu'il est clairement devant, ce truc. Fox Doudé. Putain, comment tu peux créer un PSN et t'appeler Fox Doudé? Alors, vous aurez remarqué que mon accent anglais est très nul. Chargement en cours, je me demande si c'est un joueur de quoi lui. Alors, il s'appelle Renard et il joue Ken. Tiens, pour changer, tiens, c'est rare de croiser des Ken en ligne sur le jeu, ça fait plaisir de tomber dessus des fois.
C'est étonnant. Ken le renard. Oh, j'espère qu'il sera un peu plus... Ah non, il a même moins de points que l'autre que je viens de combattre en fait. Et il a dit je suis prêt. Très bien. Il a un DLC que j'ai pas. Alors avec quoi il va commencer lui? On va voir ça tout de suite. Ouais, gambon, gambit d'ouverture, saut. D'accord, je pense que ce petit truc t'aura expliqué qu'il ne faut pas trop sauter contre Ibuki. Comme je viens d'expliquer à ton pote tout à l'heure. Ouais, lui en fait il m'a l'air de jouer contre... Voilà, là il y avait dragon en plus. Hein. Normalement, anti-air, double touche pour Ibuki, il y a dragon. Hein. Et là il a pris le kunai, je sais pas, il était devant mais il a pas gardé. Et là celui-là il est derrière et le combo n'est pas raté. Je pense qu'il va bientôt être stun s'il ne garde pas celui-là. Et moi je rate le combo derrière. Hein. Je rate le combo totalement. Hein. Wow! Wouah! J'ai voulu changer de combo pour varier un peu pour la vidéo, pour que vous voyez des trucs différents avec Ibuki. J'aurais pas dû, en fait, j'aurais pas dû tester un combo que je maîtrise pas à 100%. Et lui, il va prendre encore ping-pong combo. Le kunai, c'est bon, je crois qu'il a compris que c'était devant. Counter hit, hein. En fait, il a essayé de taper entre le moment où il a bloqué le kunai et le moment où Ibuki a tapé derrière lui. Il a essayé de mettre un coup dedans. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Enfin, quel coup. Voilà, arrête de sauter. Je sais pas quel coup il a essayé de faire, mais il a essayé un truc. C'est pour ça que c'est affiché counter hit. Enfin, de toute façon, vous pouvez pas à ce moment-là. Au moment où Ibuki lance le kunai et que vous venez de vous relever, si vous l'avez en garde comme si vous l'avez normalement, vous pouvez pas taper derrière. Merci. Ouh, je rate. En fait, j'ai cru qu'il était déjà retombé au sol et j'ai essayé de taper juste après. Enfin, de mettre mon coup juste après. Stun ? Comment ça, stun ? Il m'a mis combien de coups pour que je sois stun déjà ? Ouais, bon. Ce round-là, c'était un peu... Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. J'étais totalement gratuit sur ce round, je pense que je vais me reconcentrer. Et juste anti-air, voilà, toi tu vas prendre super hein, en ouverture de jeu, comme ça gambit d'ouverture du round, super. Tu apprendras à ne pas trop sauter comme je te l'ai dit. Chop, allez, overhead, non, même pas. Allez, ping-pong. Je pense qu'il comprend, ok, ping-pong à nouveau avec le dragon. Je pense qu'il comprend pas trop qu'il faut pas sauter contre Ibuki. Mais en fait, son anti-air est intestable, qu'est-ce que tu essayes de faire en fait? Pourquoi tu veux sauter? Tu vas prendre Neckbreaker EX, voilà. Voilà, je savais que... Enfin, il a fait deux Hadouken d'affilée, je me suis dit, bon, son cerveau a fondu, c'est pas trop quoi faire, donc je savais que le Neckbreaker allait être la suite. Du coup, deux Ken rencontrés, deux Ken annihilés, hein. Y a pas d'embrouille, pas d'embrouille. Pas d'embrouille pour Ibuki. Voilà, putain de merde, il fallait quand même que je l'explique que Street Fighter c'est pas un jeu aérien. Je sais pas ce qu'il a cru au deuxième round, il sautait et je faisais pas d'anti-air, donc il a cru que c'était la gratuité, mais... Non, si je vois que t'es un piffeur et que tu passes ta vie à sauter, bah je t'attends. Et j'anti-air à chaque fois que tu sautes, c'est gratuit, en plus l'anti-air d'Ibuki il est totalement god-tier, donc... Y'a aucune embrouille, hein, aucune embrouille. Ça c'est le problème des matchs en 1 en fait avec Ibuki, c'est que... T'as pas tout le temps en fait la chance de télécharger ton adversaire et de comprendre directement comment il joue, alors que pour jouer avec Ibuki t'es obligé de comprendre, waouh, bison. Oh bordel, bison. Pour jouer contre Ibuki, je disais, t'es obligé de comprendre un peu comment l'adversaire joue pour arriver à bien t'en sortir, quoi. Et quand l'adversaire est gratuit, ben un match, enfin un round même, t'arrives à le télécharger comme j'ai fait au second round, là. Quand il est pas gratuit, t'as beaucoup plus de problèmes et je pense que c'est ce qui va m'arriver tout de suite avec Bison. Parce que Bison, même si... Ben, je sais pas. Bah, en plus, un bon Bison. Un bon Bison, merde. Allez, courage, on se motive, on va y arriver, tout est possible. Allez, faut pas se prendre des... Wouah, ok, ça commence mal, et je me reprends le coup. C'est bon, la focus était bonne. Malheureusement, j'ai pas réussi à le mettre au sol avec ce smoothie, j'aurais peut-être dû... Wouah, la carotte des shops là, et le truc qui est repassé, c'était devant. Wouah, c'était devant encore ça. Mais, ok. Leçon de Street Fighter, le round a duré 20 secondes. Le round a duré 20 secondes, je vais essayer de me calmer et de mieux jouer parce que faut pas trop qu'il pense que je suis gratuit quand même. Voilà, que je lui montre au moins que je sais faire quelque chose contre son... Ouah, c'est pas contre Bison que je dois rater mes coups, moi. C'est pas quand j'ai du mal contre les adversaires que je dois rater mes coups. Putain, si j'avais réussi à le mettre au sol tout à l'heure, j'aurais peut-être pu enchaîner avec un setup et j'aurais peut-être été moins embêté dans ce match-là. J'ai essayé de bourrer l'ultra hein, derrière son psycho crusher qu'il vient de faire là, mais en fait je peux pas. Pour bourrer l'ultra derrière le psycho crusher, il faut que je me le prenne vraiment de près.
et ça gratte. Ça, c'est le pressing infernal de Bison, dont je n'ai pas encore trouvé le secret. Je ne sais toujours pas comment casser ce coup, mais je sais que c'est possible. C'est juste moi qui suis un gros sac, donc je ne sais pas comment casser. Mais je vous assure que c'est possible de casser ce pressing là. Ouais, leçon de Street Fighter, leçon. Ça, c'est totalement la gratuité de Jibuki quand je connais pas un perso, quoi. Putain, je connais pas Bison, je mange tout ce qu'il fait, tout. À chaque fois qu'il fait un mouvement, je cherche sur le premier round là. À chaque fois qu'il faisait son coup en l'air, je cherchais comment taper dedans. J'ai pas trouvé, j'ai trouvé focus. Au deuxième round, j'ai fait focus, c'est sorti dans le mauvais sens. Voilà, ça c'est la gratuité. Bon, en plus, bon, Bison c'est pas non plus le match le plus simple pour mon perso, mais bon, je pensais que je m'en serais mieux sorti quand même. Alors, impossible de rejoindre la session. Putain, c'est pas maintenant que le PSN va recommencer à bugger. Ouais, pff, le Bison là, j'ai pas trop envie de rejouer contre lui, on va dire. D'ailleurs, faudrait que je trouve le moyen de contrer ce coup de merde qui vient par les airs là. Je pensais que la focus était la solution, mais finalement, si la focus peut sortir dans le mauvais sens, c'est chiant. J'ai pas envie de mettre la garde à chaque fois dessus. Donc, ah, tiens, il y a une bonne connexion. Je sais même pas s'il est là. Ah. C'est bon. Alors, qui est-ce qui va jouer lui? Qui est-ce qu'il va jouer? En fait, là, j'attends qu'il sélectionne son perso pour choisir laquelle de mes ultras je vais jouer contre lui. Même si j'avoue que j'ai un peu plus de mal à placer l'ultra 1. Parce que c'est un ultra quand même de punition, mais j'ai assez de mal à le buffer enfin. Sur le moment, quoi. Genre directement que je dois punir l'adversaire, lancer l'ultra 1, c'est assez compliqué. Au niveau des inputs pour moi, mais sinon elle est très bonne. En plus, elle fait très mal l'ultra 1. Un peu plus que l'ultra 2, je crois. Elle fait 501 celle-là. L'ultra 2, je sais plus trop à Chine, je trouve. Lui, Jury, où je déteste les mecs qui font tout le temps, ils attendent tout le temps en ligne que tu choisisses d'abord ton ultra avant de choisir la perso. Ou alors les mecs qui te font tout juste patienter 20 ans pour je ne sais pas quoi. Alors on a eu deux fois Ken, une fois Ryu, tiens. Choisis ta map, bordel, casse pas les couilles. Casse pas les couilles, merde. Alors, quel Ryu avons-nous en face? Ah, pas spécialement beaucoup de points, mais bon, faut toujours se méfier, on sait jamais. On sait jamais. Alors, lui, je pense qu'il habite quand même en Chine, hein, parce que le temps de chargement, il a été super long. Lui, il commence son match par Tatsumaki, contre Ibuki. Même pas contre perso qui a Hadouken ou quoi, hein. Il a commencé son match par Tatsumaki. Focus level 2, c'est dans la garde. Ouh, chope après. Ok. Donc, la prochaine fois, je déchope. Ouah, Tatsumaki encore. Mais attends, ce mec-là, il me respecte pas ou je rêve? D'accord, focus entre le premier hit. Focus entre le medium kick et le Tsumudi. Et focus dans le kunai. D'accord. Donc, je pense que lui me respecte pas trop. Je vais lui expliquer que la vie c'est pas ça. Déjà, voilà, je vais te montrer que le Tatsumaki, c'est pas safe. Tes Hadouken non plus, c'est pas quelque chose de safe en Tribuki. Donc, tu vas un peu arrêter ça. Voilà. Commence au moins par me respecter. Hein. Au moins. Voilà. Entier, respecte-moi. Voilà. Comme ça, on va commencer à se respecter et ça va jouer bien les deux côtés, tu vois. Parce que les Tatsumaki de début de map comme ça, là, entier, respecte-moi. Les Tatsumaki de début de map, là, ça va deux secondes, hein, voilà. Je t'ai dit que c'était passé contre Ibuki, mais apparemment, t'écoutes pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait saut, hein. J'ai totalement raté mon setup, là. Normalement, c'était saut, medium kick, hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Shuriken dans la garde. Il a pas mis cette fois la focus entre le medium kick et le Tsumuji. Maintenant, il a peur, hein. Il commence à chercher un peu plus comment taper. Il fait plus attention. C'est bien, commence à chercher. Il refait Tatsu, hein. Toi tu vas prendre Chop, merci. Mais... Oh. Attends, qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors lui, il bourre Tatsumaki.
il bourre totalement Tatsumaki. En fait, au lieu de bourrer Dragon comme les autres, il se dit non, je vais me créer un style spécial. Moi, j'ai bourré Tatsu. J'espère qu'il bourre Tatsu à la relevée aussi, comme ça, je vais bien casser ses Tatsu. Ça, c'est pas safe, hein. C'est même gratuit. Merci, deux fois. D'abord la glissade, ensuite le kunai, c'est... Hadoken comme ça, c'est la gratuité. Donc, comment tu vas aborder ce troisième round? Maintenant que je t'ai montré que je peux... voir saut gros pied, je sais pas comment je prends ça. Saut gros pied, je sais pas du tout comment je prends ça. Hadoken, voilà, merci. Continue à en faire, voilà. Anti-air, respecte-moi, avec le ping-pong combo complet. C'est bon, il y a une bonne garde sur le kunai, là. De toute façon, celui-là, il est devant, hein. je sais pas comment... Mais arrête les Tatsumaki, bordel. Bien vu, ça, il a backdashé cette fois entre le Tatsumaki et Machop. Je sais pas s'il aurait pu punir directement derrière. Je pense que moi, je devrais plutôt essayer de backdasher derrière cette Tatsumaki, en fait, si je les punis pas. Parce que sinon, il va réussir à me taper après. Ça va pas être intéressant. Voilà, là, j'aurais totalement pu mettre super, hein. Mais j'étais vraiment pas sûr que j'avais touché. Donc j'ai pas rentré le coup. C'est dommage, je pense que le round aurait été presque fini si j'avais mis la super là. Et là aussi il y avait super, mais là, putain, anti-air, arrête de sauter. Là il y avait super aussi, mais je savais pas que parce qu'il a bloqué le premier coup, donc je pensais qu'il aurait bloqué le deuxième et il a pas bloqué en fait. J'aurais dû me préparer et mettre la super directement. Wouah, counter hit sur l'anti-air. Son gros pied m'a tapé juste au moment où j'ai voulu faire mon anti-air. Le shuriken est devant, il est bien gardé, mais là le combo est pas gardé, counter hit, il essaie de buffer quelque chose. Il essaie de taper juste après le kunai en fait que j'ai rentré, il essaie de taper. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux pas taper en fait, donc il a pris le combo il a pris le combo que j'ai fait juste après counter hit quoi. Donc forcément ça fait plus mal, et j'ai un peu plus de temps pour rentrer le combo, donc c'est la gratuité. Putain, notre match il s'est joué sur la camp, hein. Et c'est la preuve de ce que je vous disais juste au début de la vidéo. Avec Ibuki, tu connais pas le perso, enfin tu connais pas l'adversaire en face de toi. Si tu sais pas trop comment il va jouer, putain t'es vraiment dans la merde. Au premier round, je savais pas trop à quoi je m'attendais, enfin. Il est arrivé, il a fait des trucs bizarres. J'ai pris perfect. J'ai compris un peu comment il jouait au deuxième round, je me suis calmé, j'ai joué Ibuki de façon propre, ça a été bon. Troisième round, vous avez vu, c'était la même chose, il a vu que fallait que les deux côtés se calment un peu pour jouer. Parce que voilà, et puis on est resté calme et on a fait un vrai match, un round de au moins 70-80 secondes. Hein. Je pense qu'il était très très long le dernier round là. Il y a eu une seule ouverture de garde, une seule, et la seule ouverture de garde elle a tué direct. C'est à la fin, dès que j'ai réussi à ouvrir la garde et que je l'ai mis au sol, c'était fini. Plus il avait plus beaucoup de vie donc c'était gratuit quand même, mais sinon le reste du temps ça s'est joué, on bougeait un peu, on faisait 2-3 petits coups anti-air et compagnie. C'est joué un peu. Enfin, moi je trouve qu'il était assez bon. Alors, Guken, je le connais pas du tout d'ailleurs. Enfin, je sais juste que je peux punir, mais c'est tout. Alors, par quoi il va commencer lui? Ok, mais ils sont pas fatigués de faire ouverture gros pied? Ouais, mon nom. Non, toi tu vas pas faire ça. Hein. Ça marche quand on vient juste d'acheter le jeu en fait. Donc tu peux pas, mais je viens de te dire de pas faire ça. Ça sert à rien d'être à l'autre bout de la map et de buffer le dragon bizarre, mais fais pas ça quand même. Counter hit, mets la garde. Et voilà, là il... Comment ça se fait que j'ai pas pu comboter derrière? Bon, en tout cas c'est bon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté mon perfect à un Eggbreaker quoi. J'aurais juste réussi à buffer un Eggbreaker dedans, ben ça serait passé. 64 secondes de round, hein, ça... Enfin, 64 secondes qu'il reste au round, ça a vraiment pas été long. Je pense qu'il sait pas trop comment jouer en fait lui. Donc ça va être un peu la gratuité. On va voir, on va essayer de voir ça. Non mais fais pas ça. De toute façon, généralement t'arriveras pas à me taper avec ça. Hein. Je pense que tu devrais trouver une autre solution parce que ça c'est pas bon. Tu peux juste taper dedans en faisant n'importe quoi. Donc voilà. Ouais bon, il essaie de m'infiniser à la shop et ça marche pour l'instant. Les Breaker IS, respecte-moi quand même, hein. C'est invincible au projectile, je sais. Wouah, comment ça se fait que ça a cassé mon setup ça? C'est la première fois que je vois ça. Et toi t'as pris ça gratuitement. Allez Raida, petit kunai, il est devant mais il est pas gardé. Donc c'est bon, c'est la gratuité. Et je vais lui mettre l'ultra juste pour le swag. Juste pour le swag et pour faire fondre son cerveau un peu. Je pense que là il va péter un câble, voilà. Voilà, il a commencé à péter un câble, il a pété. Et je pense qu'il y aura un deuxième pic juste derrière ça. Et voilà,
c'est la gratuité. tellement de gratuité en ce pauvre Gouken. Je pense qu'il savait pas trop quoi faire contre Ibuki en fait, donc son cerveau a fondu, tout simplement. Merci Gouken, merci à toi pour cette magnifique combo exhibition, merci. Ah, ça fait du bien de connaître ces setups par cœur. Tu sais qu'à chaque fois que t'attaques un adversaire et qu'il est au sol, tu sais que peu importe ce qu'il va faire à la relevée, il pourra jamais te toucher. Par contre, tout à l'heure, il a réussi à me toucher avec son Tatsumaki quand j'ai fait mon setup après mon Eggbreaker EX. Je sais pas si... faudrait que j'aille en entraînement en fait pour tester. Pour voir si effectivement Gouken arrive à casser le setup ou si c'est juste que je l'ai raté. Mais je pense que je l'ai raté, enfin... Quoique Tatsumaki il est assez vertical donc je sais pas vraiment si je l'ai raté ou si c'est vraiment lui qui a cassé le truc. Faudrait voir. Et du coup là on arrive sur le dernier combat de cette petite session où je me serais quand même fait randomiser pas mal de fois. Hein. Le Ryu qui m'a mis un perfect, le bison, ne parlons même pas du bison parce que ce qui m'a fait c'était pire qu'un viol. Et putain faudrait que je trouve un bon bison qui sait jouer pour apprendre à jouer contre bison quoi parce que c'est déprimant. Déjà que je sais pas trop comment faire même avec mon perso. Mais en plus de ça je connais pas le perso Bison donc c'est compliqué. Et j'ai besoin de connaître ce personnage là. Donc là on est retombé sur Judy 69 69. Que j'ai normalement je crois que j'ai perdu contre Okanken donc lui aussi il me semble que je l'ai battu. J'espère que je vais pouvoir le rebattre une seconde fois. Je pense que c'était lui qui piffait là normalement. Enfin qui sautait tout le temps. On va voir. Donc bon on est reparti et ça commence comme d'habitude hein. ça fait toujours ce gros pied. Oula, j'ai raté mon dragon derrière parce que j'étais pas dans le bon sens et celui là il va être... Ouah, j'ai pas réussi à sauter, c'est bizarre ça. J'ai essayé de sauter pour faire mon setup habituel et j'ai pas réussi, normalement il aurait été derrière mais c'est pas grave. Donc Fox Judy 69 qui essaye de zoner à la Hadouken, ce n'est pas la meilleure solution pour lui. Je pense qu'il essaye d'aller loin en fait et zoner, c'est pour ça qu'il fait les Tatsumaki en l'air. Pour arriver à s'échapper, moi, pourquoi j'ai fait une focus dans ça, moi? Pourquoi je fais une focus dans ça alors que j'ai juste à faire entière? Voilà, je peux passer en dessous de tous tes projectiles, fais tout ce que tu veux. Ça, c'était gratuit, hein. Il avait même pas fait d'adoté, mais il a pas réussi à le garder. Et celui-là, il est devant, et le combo, il est réussi. Et la loupe, par contre, est ratée. Il me semble que j'ai raté la loupe au dernier moment. Le petit point, là, il me semble qu'il a pas fait combo. Sinon, ça aurait fait seed, je crois. Entière, arrête de sauter. Arrête d'Hadoken, en fait arrête de tout faire. Regarde juste Ibuki et pleure en fait, tu peux faire que ça. Oula, ça saute beaucoup là, il va falloir que je me calme et que voilà, que j'entière et dragon, c'est bon. Voilà, on va repartir. Ouh, j'ai raté. J'ai raté mon dash spécial. Ouh, qu'est-ce que tu essaies de faire toi? Et c'est pas de me faire des techniques bizarres. Ouah, ok. Ok, il va retomber au sol lui, voilà. Combo Miss Wanai, on est parti. Mais comment ça se fait? J'arrive pas à sauter. J'arrive pas à sauter depuis tout à l'heure. Mais arrête quand même. Waouh, comment je reprends ça? Je suis fou. Voilà. Ça t'apprendra à vouloir choper. Ça va vraiment t'apprendre à vouloir choper. Voilà, son cerveau a fondu. Merci. Merci, Ken. Merci. En fait, à la fin, il a voulu me choper. Et j'ai fait un coup où mon perso est en l'air. Du coup, il a pas réussi à me choper. Et voilà. Et j'ai pu enchaîner ma super dessus gratuitement. Merci. Putain, lui il aura quand même failli me randomiser à la fin. Il était sur le point de me terminer à la fin du match là. Et j'ai réussi à sortir ça, putain je suis content. En plus il a tellement bourré toute sa vie là, il avait encore une chance quand tout à l'heure il m'a mis au sol et que j'ai fait la super. Il a bourré toute sa vie donc il y a l'ultra qui est sorti alors qu'il aurait juste attendu, on avait la même vie, on était aux orbitales tous les deux. Il aurait peut-être pu me tuer juste en jouant simplement, mais bon, il a voulu bourrer comme tous les Kenji Online et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait sur Street Fighter, c'est parce que je suis en période d'examen. Donc je fais pas non plus beaucoup de vidéos, mais j'ai essayé de faire celle-là pour que vous en ayez une cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à tous, à la prochaine. Et Genji, dès que les combats commençaient, faisait des dashs avant. Ben, pour une fois qu'il se retrouve face à face, il ne dash pas, hein, bizarrement. Donc ça se respecte apparemment que entre eux. Donc Genji qui a l'avantage au niveau des permutations. Il y a un léger avantage de confier au niveau du chakra, mais je pense que les trois permutations de Genji vont lui permettre de prendre beaucoup d'avantages au niveau de la vie.